Salut les bouquineurs et les bouquineuses, j'espère que vous allez bien. J'ai encore eu du mal à vous faire des vidéos, mais là je reviens pour une revue livre. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais au cas où que je spoil, je préfère le dire avant de continuer la vidéo. Si je spoil un peu trop et que tu vois que tu as trop d'informations sur le livre, je t'invite à ne pas regarder la vidéo si tu ne l'as pas lu. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour ne pas spoiler et vous donner l'envie de lire ce livre qui est un chef-d'œuvre, enfin un chef-d'œuvre parce que c'est un récit, une histoire vraie, un témoignage. Donc c'est parti. Le livre, voici, le voilà. C'est Cathy Glass, L'enfant de l'enfer. Donc c'est un récit, une histoire vraie sur la maltraitance enfantine. Si tu connais pas Cathy Glass, Cathy Glass a écrit une douzaine de livres sur les témoignages d'enfants qu'elle a reçus chez elle parce qu'elle est maman d'accueil. Elle a trois enfants et elle vit à Londres et elle est divorcée. Et elle a reçu au moins une 25 enfants, ou pas mal d'enfants, je peux dire, qui ont tous eu des problématiques. Et du coup, elle a voulu en écrire des témoignages pour que les gens puissent se rendre compte qu'il y a des enfants qui vivent vraiment l'horreur chez eux. Donc là, si tu veux, dans L'enfant de l'enfer, Cathy se voit confier la petite Aimée qui a 8 ans. Et qui est sous l'emprise de sa mère, qui est toxicomane et qui s'occupe pas du tout d'elle. Elle est agressive, insolente, elle est infestée de poux quand elle arrive chez Cathy. Elle sait pas ce que c'est d'être aimée par les adultes. Elle sait pas que les adultes peuvent être très gentils, aimants. Et surtout, ce qui me choque, à 8 ans, alors que tu es censé être en CM1 ou voire au CE2, CM1, elle est illettrée, elle ne sait pas lire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me choque le plus dans cette histoire, c'est qu'à 8 ans, elle ne sait pas lire. Elle est en grosse difficulté scolaire et elle est très en retard par rapport aux autres enfants. Mais surtout, elle découvre en Cathy une oreille attentive et elle lui fait un peu à peu confiance pour lui confier les terribles moment de sa jeune existante. Mais il y a surtout quelque chose qu'elle découvre aussi, c'est une chambre à soi, des repas réguliers, attention d'adulte affectueux, des vêtements propres. Pour ce qui est de la construction de la durée, pour ne pas vous mentir, je crois que j'ai lu le livre en une semaine tellement j'étais plongée dedans. Il n'est pas difficile à lire, l'écriture n'est pas trop petite, n'est pas trop grosse. Enfin, moi qui suis myope, enfin, je peux le lire sans lunettes, c'est très bien. Pour ce qui est du style d'écriture, bah, c'est langage familier, si je peux dire. C'est comme si tu parlais à ta mère ou ta petite sœur. Donc c'était facile à se plonger dedans. Tu peux facilement t'identifier ou même te créer un personnage étant présent dans l'histoire, en fait. T'as l'impression d'être un personnage à part entière, de te dire bah, « je suis là, je suis présente ». Et voilà quoi, c'est un truc bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il a 50 chapitres. Donc ça se lit très rapidement, c'est pas compliqué à lire. Par contre, je pense que ça se lit pas avant 15 ans parce que ça, certains propos peuvent choquer les plus jeunes. Donc si tu as 9 ans, que tu as 12 ans, je te conseille pas de lire le livre. Attends d'avoir 15 ans pour le lire. Donc là, je vais commencer par vous décrire trois personnages. Donc les trois personnages principaux, Cathy bien sûr, Aimée. Et Suzanne. Suzanne, je vais vous expliquer qui c'est tout simplement la mère d'Aimée. Voilà. Donc on va déjà commencer par Cathy. Donc je suis contente qu'il y ait des femmes comme Cathy qui existent, malgré qu'elles soient mères célibataires, qu'elles élèvent toutes seules ses trois enfants, toutes seules, qu'elle arrive à faire la part des choses entre sa famille à elle et l'enfant accueilli chez elle. Et elle ne fait pas de jugement sur l'enfant ou les parents. Voilà, je suis contente que... la petite Aimée soit arrivée chez elle. Et je suis contente qu'il y ait de plus en plus de personnes comme elle qui protègent les enfants de la maltraitance et qui leur donnent des valeurs, parce que les enfants qui franchement arrivent en famille d'accueil n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, si je puis dire. Ils sont souvent en train de dire c'est de ma faute si je suis battue, c'est de ma faute si cela, je suis mauvaise, je suis pas belle. Je suis grosse, je suis trop maigre, enfin une mauvaise image de même. Et je suis contente que des femmes comme Cathy, il y en a en France aussi bien sûr, mais je suis contente qu'il y ait beaucoup plus de femmes comme Cathy qui donnent des valeurs à ces enfants qui forcément au début n'ont pas un bon départ. Elle est très humaine, il y a un passage dont, enfin, je vais pas trop spoiler, il y a un passage dans le livre où elle rencontre Suzanne. Et franchement, au lieu de lui dire t'es qu'une ratée, t'es qu'une toxico, ou t'es qu'une ceci ou qu'une cela, au final elle va rien lui dire. Alors que ça aurait été moi, je peux vous dire que moi j'aurais fait un homicide volontaire, j'aurais tué cette femme.
tout simplement. Ensuite, je vais vous parler de Aimé. Aimé, au départ, j'avais qu'une envie, c'était de la trucider, de la ligoter, enfin de l'attacher. Elle était infecte au début de l'histoire. Et au final, on comprend peu à peu que il y a telle agressivité parce qu'il y a eu telle chose d'arriver. Et au final, c'est une petite fille qui a un sacré caractère. Et j'espère qu'elle l'a gardé. Je sais pas si elle a grand, si elle avait 8 ans, c'est de l'année dernière, ou si c'est un récit qui date de quelques années. Mais j'espère que où tu trouves, petite aimée, que tu as 16 ans, 25 ans, 30 ans, 42 ans, tu as gardé ton caractère et que tu te laisses pas faire. Mais elle a vécu quand même des choses assez affligeantes, assez traumatisantes pour une petite fille de 8 ans. Et quand même, je trouve ça dommage parce qu'elle a pas mérité ça au fond. Mais voilà, j'aime bien voir son évolution au fil du temps avec Cathy. Et franchement, merci Cathy, tu as fait du bon travail. Suzanne. Alors Suzanne, j'avoue ne pas comprendre comment elle a pu laisser sa fille dans un tel état, si je puis dire. Parce que pour en arriver à être illettrée, être infestée de poux et puis être insolente avec les adultes, je t'avoue que... Même moi, je comprends pas. À 8 ans, moi, j'étais respectueuse des adultes, je savais lire et j'avais pas de pouf. Enfin, si j'en avais, j'étais traitée, quoi. Je comprends pas. Et j'ai un peu de peine aussi pour elle parce que je me dis, elle a peut-être pas eu d'amour dans sa vie, du coup, elle sait pas comment en donner. Et voilà, du coup, tomber dans la drogue, les mauvaises fréquentations, ça va vite au bout d'un moment. Donc j'ai un peu pitié d'elle, elle me fait un peu de peine. Mais ça n'engage rien qu'elle aurait pu faire des efforts pour sa fille. Avant de passer à la conclusion, je vais vous lire des passages qui m'ont bouleversée dans le livre. J'ai pris des petites notes. Hein. Là, dans un chapitre, il y avait un autre chapitre qui m'a choquée. La petite aimée a carrément dit que Noël, elle faisait pas. Et que de toute façon, le Père Noël ne venait jamais chez elle. Donc comment tu peux te dire qu'un enfant de 8 ans ne croit pas encore au Père Noël? Bon, qu'il ait 12 ans et qu'il ne croit pas au Père Noël, je veux bien te croire. Parce qu'il y a bientôt l'entrée au collège, tout ça, ou voire même... en CM2, enfin, je veux bien te croire, mais de là à 8 ans, ne pas croire au Père Noël ou se dire le Père Noël vient pas chez moi parce que je suis une mauvaise fille, alors qu'au final t'es pas une mauvaise fille, c'est juste que tes parents te négligent. Je trouve ça un peu choquant et je trouve ça un peu triste de gâcher ce plaisir d'enfant, cette tradition que les enfants connaissent. Moi par exemple, de mon point de vue à moi, je suis animatrice en périscolaire. Quand je demande aux enfants ce qu'ils veulent pour ce qu'ils ont demandé au Père Noël, et ils ont dit moi j'ai demandé au Père Noël. Ils ont les yeux qui brillent. Cette petite fille, elle sait pas ce que c'est en fait. Elle sait pas ce que c'est les cadeaux, elle sait pas ce que c'est les décorations. Elle savait pas ce que c'était. Donc c'est un peu choquant pour ma part. Il y a une réplique que Aimé dit à Cathy parce qu'elle venait de faire un cauchemar, je sais pas à quel sujet, mais je vous dirai pas. De toute façon, parce que je m'en souviens pas, et puis de toute façon, si tu veux lire le livre, tu le sauras toi-même. Elle a dit à Cathy, s'il te plaît, ne me tape pas, je me suis fait pipi dessus. À quel moment tu vas frapper un enfant parce qu'il s'est fait pipi dessus? Enfin, 8 ans, c'est encore un peu... C'est pas normal qu'il fasse pipi au lit, mais t'as peut-être des circonstances, t'as peut-être cauchemar, t'as peut-être incontinence, tout simplement. Mais d'où tu vas te dire je vais frapper mon enfant parce que il a fait pipi au lit? Moi je comprends pas. Franchement, faut qu'on m'explique, mais je comprends pas. C'est assez choquant pour moi. Ensuite, c'est une réplique que dit Suzanne à Cathy quand elles sont dans un café. Et franchement, là, je vais le dire en conclusion, mais ça me choque vraiment que les assistantes sociales sont pas plus intervenues que ça. Elle a dit tout textuellement, elles auraient dû me prendre Aimée quand elle est née, comme je leur avais demandé. Donc déjà, tu vois bien que la maman est dans la détresse totale et qu'elle sait très bien qu'elle ne pourra pas s'occuper de sa fille et qu'elle a quand même dit drapeau blanc, aidez-moi s'il vous plaît, avant que je l'aime et avant qu'elle ne m'aime. Donc il y a quelque chose qui me choque, c'est que Suzanne a quand même demandé de l'aide à l'aide à l'enfance pour que sa fille soit placée et au final, elle n'a pas été placée. Donc ça me choque un peu. La dernière réplique, donc ça va être un peu long, désolée. Hein. Mais ça résout l'histoire aussi des enfants qui sont en France. Il n'y a pas qu'en Royaume-Uni ou en Angleterre, Royaume-Uni, c'est pareil. C'est partout pareil, je dirais. Alors, ça me choque un peu parce que c'est le dernier paragraphe du livre. L'histoire d'Aimée se termine bien, mais tous les enfants n'ont pas autant de chance qu'elle. C'est terrible, mais beaucoup sont comme Aimée
ignorée, presque oubliée, et continue à vivre dans la souffrance. Le cas d'Aimé n'est pas isolé, ce n'est pas la seule à être passée à travers les mailles du filet de la protection sociale. Elle fait partie des millions d'enfants dans le monde qui ne bénéficient d'aucun secours quand les parents faillissent à leur devoir d'éducation. Maintes et maintes fois, j'ai rencontré des parents qui avaient offert, contre toute logique, une chance alors qu'à l'évidence, ils étaient incapables de s'occuper de leur progéniture. Certains en étaient même tout à fait conscients. Si personne n'aime voir une famille voler en éclats, il est parfois indispensable de séparer l'enfant de ses parents. Non content de lui offrir un nouveau départ, cette séparation permet aussi parfois de sauver des vies. On va aller dans ma conclusion. Ce dernier paragraphe, il dit la vérité, tout simplement. Quand tu as des parents qui crient SOS pour dire « placez mon enfant parce que je serai incapable de m'en occuper, je vais le négliger, je vais le maltraiter » et qu'au final tu n'as personne pour te retirer l'enfant ou même s'occuper de ton enfant et qu'au final bah il arrive quelque chose derrière, bah les parents disent c'est pas faute de vous avoir prévenu quoi au bout d'un moment. La conclusion, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'était vraiment bouleversant à lire mais vraiment très enrichissant et très instructif parce que je connaissais déjà les cas de la maltraitance infantile. C'est un sujet courant dans le monde entier, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis. Partout si je puis dire. Quand même heureuse que Aimé a connu une fin heureuse, je dirais pas la fin, vous lirez vous-même. Quand même réussi à évoluer, qu'elle ait quand même réussi à se dire qu'au final j'étais pas si méchante que ça, je suis pas si mauvaise que ça et qu'on m'aime pour ce que je suis. J'ai été regardée dans un article de presse, selon une étude, un enfant sur un voire deux enfants meurt tous les jours sur les coups de ses parents, donc c'est pas rien. C'est quand même aberrant qu'il y ait autant d'enfants qui sont maltraités, qui sont même témoins de choses qui ne devraient pas être témoins. Relations sexuelles des parents, prise de drogue, prise de médicaments, prise d'alcool, enfin voilà. Je vous dis des choses parce que je travaille dans un milieu où je vois des enfants et j'ai beaucoup de rapports, mais ça, c'est autre chose et c'est du secret professionnel. Je vous recommande de lire ce livre si vous voulez vous faire votre propre opinion dessus. Et surtout, je voulais vous dire, si jamais vous êtes au courant d'un cas de maltraitance, que ce soit physique ou psychologique, vous avez un numéro gratuit et qui est anonyme, qui est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est le 119 et surtout c'est anonyme. Donc surtout n'hésitez pas à signaler cet enfant parce que ça peut lui sauver la vie. Surtout les bouquineurs et bouquineuses, j'espère que cette revue ne t'a pas trop spoilé le livre et que tu vas avoir envie de le lire. Donc du coup, je te laisse le lien sur Amazon pour le commander. Et surtout, je te laisse aussi quelques infos sur la maltraitance. Enfin, voilà. Sur ce, les bouquineurs et bouquineuses, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!